Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J143 sur 365. Alors, avant de commencer, je vais vérifier le son. Parce que hier, c'était un peu la loose. J'ai fait mon live sans son. Donc, j'ai recommencé. Donc, je vérifie. Yes, ça marche. Magnifique. Alors, ah, j'ai pas pris. Attendez. Je rentre à l'intérieur. Parce que je me suis fait une petite note. Et du coup, je voulais vous partager un certain nombre de choses aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise. Allez, je vais me mettre là-bas, vers mes petits Bouddhas. Hop. Alors, j'ai mis mon micro avec ma petite moumoute. Donc normalement, vous devriez bien m'entendre, j'espère. Ce que je voudrais dire déjà, c'est que à un moment donné sur ce chemin, ça va vraiment être de se lâcher la grappe et de lâcher prise et de, je crois, de lâcher tout. Lâcher tout dans le sens où on prend cette vie beaucoup trop au sérieux. C'est pas que c'est subtil ce que je dis. C'est pas forcément au premier degré. Ça demande de plus voir ce qui résonne avec vous et de ressentir plutôt que d'écouter avec le mental. Aujourd'hui, on vit notre vie à partir de nos espaces intérieurs, à partir de notre histoire, à partir de nos blessures, à partir de nos peurs, à partir de nos insécurités. Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée beaucoup de brouhaha interne, beaucoup de questionnements, beaucoup de difficultés. Je ne parle pas de problème parce que en soi, il n'y a aucun problème, sauf ceux qu'on crée. Je vous partage ça parce que ce matin, donc moi, je suis dans un programme où il y a une messagerie instantanée et on partage voilà, nos questionnements, etc. Et il y avait un questionnement très matière sur protéger sa famille quand on a de gros revenus au cas où on disparaîtrait. Pour moi, de mon point de vue, qui reste mon point de vue de surtout là où j'en suis, c'est que qui parle et à partir de quel espace intérieur on pose ces questions, à partir de quel espace intérieur on se questionne sur ce genre de choses. Il y a quelques années, moi, j'avais vraiment très peur parce que je dépendais financièrement de mon mari, que je m'occupais des enfants, que j'avais pas non plus, j'étais en entrepreneuriat et que je me disais, mais si jamais il est plus là, qu'est-ce que je vais devenir, comment on va faire financièrement? Donc, c'était à partir d'un espace de peur, c'était à partir d'un espace d'insécurité et de plein de choses qui est notre construction humaine jusqu'à ce que nous nous connections à notre nature originelle, où tout ça n'existe plus. Et donc, il y a eu un certain nombre d'assurances, de contractés. Et puis, par rapport à la maison, au début, on voulait faire un testament pour enfin, c'était moi, hein, pour me protéger. Et puis, quand on est allé chez le notaire nous a dit, le testament ne sert à rien. La seule chose qui va vous protéger, c'est le mariage. Et donc, tous ces trucs d'assurance, de protection, on en revient toujours à la même chose, à l'argent et à notre sécurité, à la nôtre et à celle de notre entourage. Quand cette personne m'a posé cette question ce matin, moi, l'évidence même intérieure, c'était, mais ça parlait de moi, bien sûr, c'est, à un moment donné, en fait, il n'y a plus d'insécurité intérieure et nous sommes dans un jeu terrestre. Ce ne sont que des expériences, donc ça veut dire que quand je parle de ça, j'ai pris énormément de hauteur, de légèreté vis-à-vis de ma vie, où je mettais beaucoup de lourdeur avant, mais ce qui était normal parce que nous sommes construits comme ça.
Donc, on vit à partir d'un poids qu'on porte sur nos épaules énorme vis-à-vis de nous-mêmes et puis surtout vis-à-vis de notre famille quand on a une famille. Donc, on est sur des socles, des espaces de peur, d'insécurité très forte qui font que ça nous active un mental très fort qui est avec des projections d'éventualités que ça peut se produire. Oui, notre vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Oui. Et ça, pour chacun. Moi, aujourd'hui, si je fais des projections de « Ok, ma vie s'arrête » ou « La vie de mon mari s'arrête » ou « La vie de mes enfants s'arrête ». Bien évidemment que si, quand ça se passe concrètement, ça va venir déclencher en nous des choses plus ou moins fortes selon où on en est, selon ce qu'on a vécu, selon notre histoire, selon nos blessures, selon plein de choses. Mais la grosse différence, c'est qu'à un moment donné, quand on comprend, mais au-delà, on incarne un fonctionnement originel et pas un fonctionnement construit de toutes pièces par la société, par notre éducation, par nos schémas de fonctionnement, et j'en passe. Ok, il se passe quelque chose. On va accueillir. Voilà, je parle d'aujourd'hui où j'en suis. Il se passe quelque chose d'important dans ma vie. J'accueille, mais je ne me baigne pas dedans. Ça veut dire que je ne vais pas rendre signifiant des projections. Parce que déjà, aujourd'hui, je sais pertinemment que ce sont des projections. Puisque la seule vérité qui soit, et encore, la seule vérité qui soit, c'est à partir de l'espace intérieur, l'instant présent, le seul l'instant où nous sommes dans l'espace intérieur de notre nature originelle, de l'espace où il ne se passe rien, où il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de problème de liberté. Seul là est la vérité. L'instant présent, si on est dans l'instant présent avec des peurs, mais pour moi, si on est avec des peurs, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'instant présent, parce que ça veut dire que si on a des peurs, ça veut dire qu'on est sur des projections, donc du futur, ou des choses du passé, où on se bloque dessus. Donc tout ça pour dire que la seule vérité qui soit, c'est l'instant présent. Et quand on est dans un espace intérieur de calme, il n'y a plus aucune difficulté. Il n'y a plus aucune souffrance. Ça n'existe pas. Ce chemin que nous sommes en train de marcher, nous reconnectons pas après pas à notre nature originelle. Notre nature originelle... Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait, je dialoguais rapidement avec quelqu'un, qui me disait « J'aimerais avoir ta sagesse. » Mais nous sommes tous ça. C'est notre nature profonde, c'est notre nature véritable. La sagesse, la patience, la légèreté, la clarté, le discernement, la multidimensionnalité. C'est pas... Ça s'apprend oui et non. On l'apprend sur notre chemin parce que l'expérience nous amène à ça. Mais donc pour nous ramener à partir de quel espace je parle, c'est vrai que moi aujourd'hui, ces histoires d'assurance ou de protéger mes proches, alors oui, je ne suis pas dans le cas de figure où je gagne des millions et que je porte ma famille. Mais c'est bien pareil, puisque aujourd'hui, si tout devait s'arrêter, sincèrement, je ne pense pas que je m'écroule. Parce que je sais être dans l'instant, parce que je sais être... je sais que c'est fake. Je sais que nous ne sommes pas ça. L'insécurité, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas insécurité, peur, etc. Ça, ce sont des constructions. Et du coup, ce matin, c'est venu me remettre en question parce que la personne qui posait cette question est vraiment matière. Et du coup, moi, je répondais d'un point de vue multidimensionnel. Et donc, ça ne collait pas quelque part. Mais je me suis remise en question parce que je suis quelqu'un qui va beaucoup me poser de questions, qui va beaucoup me remettre en question,
qui vais regarder, ok, tiens, pourquoi ça vient me heurter ce truc? Et puis j'ai commencé à avoir des doutes. Mais est-ce que c'est moi qui suis trop dans la multidimensionnalité, pas assez matière? Est-ce qu'en fait, ces assurances, bah oui, il faudrait les prendre. À partir de quel espace on se pose des questions? Et moi, j'ai vu que ce matin, c'est ego qui s'est présenté et une connexion des égrégores. Donc, je suis venue alléger ça, je me suis déconnectée. Et figurez-vous que les doutes qui s'étaient installés pendant, je ne sais pas, une heure peut-être, ont disparu. Parce que je me suis rebranchée à cet espace de ma nature originelle. Et dans cet espace, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Oui, aujourd'hui, c'est une sacrée subtilité. Et c'est la posture que j'observais aujourd'hui, d'où j'en suis, c'est que c'est vraiment précision chirurgicale, parce qu'à un moment donné, il faut allier le subtil et la matière. Mais quand on allie le subtil à la matière, c'est pas matière pour moi 3D. C'est matière. Ben, on est sur la terre et on vit des choses en incarnation dans un corps terrestre et avec une manifestation matière. Mais il y a plusieurs plans. Il y a le plan 3D, plan 4D, plan 5D. Et quand on bascule en 5D, où là on est dans la multidimensionnalité, ben moi, toutes ces histoires d'argent, d'assurance et tout ça, on va me dire, bah, mais Sophie, reviens les pieds sur terre, t'es dans la vie. Merde, on est dans un jeu d'expérience. Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je me suis beaucoup remise en question ce matin par rapport à ça. Et en fait, ça chemine, bien sûr, ça vient me questionner. Et c'est pas par hasard, parce que là, je rentre dans une immersion la semaine prochaine avec Aude, qui est méta, et c'est justement l'alliance subtile matière, et qui reste quelque chose, c'est la chirurgie, pour arriver pleinement à vivre sur cette planète Terre en multidimensionnalité, mais pleinement dans la matière et incarnée dans son corps et dans la vie, mais sans être piégé dans cette matrice 3. Donc pour moi, toutes ces histoires d'assurance, c'est basé sur des peurs. C'est basé sur... Mais ça m'appartient tout ça, bien évidemment. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Personne n'a la vérité, en fait. C'est juste de voir à partir de quel espace on parle. Et si c'est à partir d'un espace de blessure, si c'est à partir d'un espace de peur, si c'est à partir d'un espace d'insécurité. Où est-ce qu'on se situe là? Et moi, ce matin, j'ai bien vu que quand j'ai fait mes allègements, donc ça m'a permis cette expérience que j'ai vécue avec cette personne, c'est pareil, je ne suis pas allée me... Comment dire? Avant, une expérience comme ça m'aurait fait énormément douter. Je serais restée dans mes doutes. Je me serais remise en question. J'ai dit, Sophie, c'est vraiment de la merde ce que tu déposes. C'est vraiment pourri, t'es nulle, etc. Puis du reste, c'est passé assez rapidement, mais c'est passé devant moi. Mais aujourd'hui, je sais bien tout ça que c'est mon ancien moi. Et que de là où j'en suis, c'est hors de question de laisser vivre ces doutes ou ces jugements, donc l'ego, où on est notre propre bourreau à se juger sur des choses qui peuvent se passer dans la vie. Mais la vie n'est que expérience. Tout ce qu'on vit à chaque instant n'est qu'expérience. Et du coup, j'ai dit, ok, je me sers de cette expérience qui, ce que c'est venu créer en moi n'a pas été confortable, mais m'a permis de faire des pas de plus, parce que ça me permet de me positionner, d'asseoir ma posture d'où j'en suis par rapport au monde qui m'entoure. Et oui, en effet, je pourrais paraître décalée, je pourrais paraître être
Mais Sophie, reviens sur Terre, ça ne se passe pas comme ça sur cette planète. Et bien évidemment que beaucoup de gens, parce qu'ils vivent ça, vraiment. Mais sauf que moi, aujourd'hui, j'ai tellement exploré, je suis tellement allée en profondeur que je suis en train de vivre des choses nouvelles et en effet qui sont plus à partir de peur, qui sont plus à partir de l'insécurité, qui sont plus à partir de je donne mon pouvoir à l'extérieur. Donc ça vient confronter, mais nous, c'est à un moment donné, c'est d'asseoir notre posture. D'asseoir notre posture sur ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on vit vraiment. Moi, je vois bien ce que je vis vraiment. Et donc ce matin, je m'en suis servie. C'était une expérience. Et grâce à cette expérience, ça m'a permis de faire des pas de plus. Je n'ai pas été me noyer dans ce que ça venait faire remonter, parce qu'on a, ce fonctionnement de se noyer dans ses peurs, dans ses insécurités, dans ce mental qui prend le lead, dans cet ego qui devient notre bourreau, etc. Et moi, du coup, je suis allée discuter avec ego pour voir ce qu'il avait à me dire. Et j'ai mis en place un certain nombre de choses pour ne pas rester dans cet espace qui en effet est c'est un espace qui n'est pas confortable. Donc, quand il se passe quelque chose, c'est ok, c'est une expérience. Ce n'est qu'une expérience. On est dans un jeu terrestre et c'est prendre la vie comme un jeu. C'est prendre la vie comme un jeu, se prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous arrive. Donc soit on plonge dans ce qu'on est en train de vivre qui peut être souffrant, qui nous fait remonter des choses et qui connecte soit des blessures, soit des traumas, soit des insécurités, soit des peurs, etc. Et on reste avec ça, et ça nous pourrit la vie, ça nous empêche de dormir, ça nous pourrit littéralement la vie. Parce qu'on baigne là-dedans. Ou alors, on prend de la hauteur, et ça veut dire qu'on se lead, on est vraiment ce challenge, c'est un engagement avec soi-même, on se dit, c'est stop. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour me sentir bien? Pour changer d'espace, et c'est pas de la fuite, c'est observer ce qui se trame en nous et choisir là où on veut aller et ce qu'on a envie de vivre. Voilà. Ça, je voulais vraiment vous apporter ça aujourd'hui parce que c'est vrai que ce chemin, c'est plein d'étapes. Enfin, moi, je le vis pleinement et de toute façon, on a toujours plein d'étapes. Et c'est vrai que son positionnement, sa posture par rapport à l'extérieur quand on est sur ce chemin, ben oui, il y a des étapes et il y a des étapes qui sont délicates parce qu'on doute, parce qu'on remet notre pouvoir à l'extérieur ou ce que l'autre dit, ben c'est la vérité, il a raison, c'est nous qui déconnons, etc. Ou même sans que l'autre puisse dire quoi que ce soit, ben nous on le pense parce qu'on n'arrive pas à se positionner. Et c'est vrai que c'est tout un chemin d'arriver à se positionner quand on est sur ce chemin, d'asseoir sa posture, d'être à l'aise avec qui on devient. Et c'est on devient notre nature véritable. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir un décalage, mais c'est temporaire, c'est si on laisse exister ce décalage par rapport aux autres. Si on croit qu'il y a un décalage, alors il va se produire un décalage. Mais à un moment donné, c'est de vraiment asseoir sa posture pour pouvoir graviter au milieu de ce monde, parce que le focus aussi, c'est de graviter au milieu de ce monde, et c'est pas de s'en couper, et c'est pas de le fuir. Au contraire, c'est grâce à lui que ça nous permet d'évoluer grandement et d'une manière exponentielle. Parce que si on était à élever des chèvres au fin fond du Larzac, on n'évoluerait pas beaucoup. Parce que nous n'avons rien qui peut venir nous mettre en confrontation. Il y a l'extérieur, à part notre chèvre, ben, il n'y a pas grand-chose qui pourra venir nous faire voir là où on en est. Donc merci la matière, merci ces expériences. Et c'est parce qu'on rentre dans l'expérience qu'on peut se positionner, qu'on peut savoir, qu'on peut voir. Donc c'est de se lâcher la grappe un petit peu et de prendre du recul, de la hauteur en se disant « Ok, c'est qu'un game !»
On prend tellement trop les choses au sérieux, en fait. Mais c'est subtilité aussi quand je vous parle. C'est pas bon, allez, j'en ai plus rien à foutre de tout et je fais n'importe quoi. Absolument pas. Absolument pas. C'est discernement. Mais c'est vraiment d'asseoir sa posture. Qu'est-ce que je mets en place pour changer les choses? Parce qu'on tourne tellement en boucle quand on est sur ce chemin, mais on tourne tellement en boucle dans ces problèmes qui n'en sont même pas, dans ces difficultés, dans ce qu'on vit. Et on peut tellement vivre les choses différemment. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à mon expérience du jour. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Non. Non. Faire confiance à ses ressentis. Faire confiance à ce ressenti. Je vous partage juste une petite anecdote parce que j'ai vécu une expérience. Donc moi, j'adore les vêtements. J'achète beaucoup, mais je revends beaucoup aussi. Et je revends sur Vinted ou j'achète aussi des fois sur Vinted. Beaucoup même. Et sur Vinted se présente à moi quelque chose. Je fais waouh, trop bien. Trop bien, mais surtout, la mariée était trop belle. La mariée était trop belle dans le sens où c'est quelque chose qui est en collection actuellement et qui était proposé à 2, 4, 6, 4 fois moins cher que son prix, sachant que c'est une marque qui est chère. Je regarde un peu tout. Je sentais qu'il y avait un loup. Vraiment, je l'ai senti. Mais j'ai voulu jouer. J'ai voulu jouer. Et j'ai joué. J'ai dit, allez, je tente l'expérience. Et figurez-vous que quand je reçois mon colis, à l'intérieur, il y avait un morceau de bois. Bon, le truc, c'est que la personne. Bon, déjà, il y a une protection pour les acheteurs. J'ai confiance et puis je suis joueuse. Je suis prête à perdre cette somme, mais je sais que je ne vais pas la perdre parce que. Cette personne a pas été maligne dans le sens où, bon, déjà, elle a aucune évaluation, c'est une première inscription, elle a un nom où on voit en fait qu'il y a un loup derrière, parce que c'est pas un nom, c'est des lettres, des chiffres, etc. Et puis, ce qu'il pouvait y avoir dans le format du colis était tellement petit que c'était pas possible de mettre le gilet que j'avais acheté, c'était pas possible qu'il rentre dans ce colis. Donc, elle s'est un petit peu squeezée toute seule aussi, mais c'est vrai, quelque part, ça peut être ma parole contre la sienne. Sauf que, bon, bah, moi, l'avantage, c'est que je dois avoir, je sais pas, 500, 600 évaluations au top, que j'ai des années derrière moi de transactions, que tout s'est toujours parfaitement bien passé. Donc, je sais que la personne va se faire squeezer, etc. Mais tout ça pour dire que ce que c'est venu m'apprendre, parce que c'est une expérience, c'est, tu vois, Sophie, tu savais. J'ai voulu jouer parce que je teste, en fait, je teste mes ressentis intérieurs. Et quand j'ai reçu, le premier truc, c'était, ah, je me suis fait avoir. Mais après, c'était, et non, tu savais, t'as joué, t'as joué. Quand on joue, bah, des fois on gagne, des fois on perd, et c'est même pas, pour moi, on perd même pas. Parce que ça vient tellement nous faire grandir, ça vient tellement nous faire apprendre. Et très rapidement, je suis sortie du ah, elle m'a bien eue, de ok, tu savais, tu savais, tu savais, mais t'as joué. Et ça me permet d'asseoir encore plus ma posture par rapport à mes ressentis, par rapport à ma guidance intérieure. Je sais, je suis prévenue. Mon intérieur, mes ressentis me guident. L'énergie ne ment pas. Notre guidance intérieure ne ment pas. Notre guidance intérieure ne ment pas. Écoutez, s'écouter profondément. Et ça s'apprend, ça aussi. Parce qu'on n'a tellement pas appris à s'écouter. On a appris à être en dispersion, on a appris à être à l'extérieur. Bah oui, bien évidemment. Parce que sinon, la planète Terre n'en serait pas là. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Et là, la mariée était trop belle. Je savais, mais j'ai joué. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous partager.
Voilà, c'était pour... Coucou Marilyn, bah, j'ai fini mon live, voilà, tu pourras le revoir dès le début. Voilà, voilà, c'était mon partage du jour. Voilà, bah, j'ai rien de plus à dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez vraiment soin de vous et écoutez-vous profondément, seul vous avez la vérité. Chacun va s'exprimer et voir à partir de son histoire, à partir de, ses, de ce qu'il vit, à partir de ses croyances, à partir de là où il en est. Donc, autant il y a d'êtres humains, autant il y a de vérité, et personne, à part vous, n'a la vérité. Votre ressenti, votre corps est votre vérité. L'instant seul est votre vérité. Et personne ne sait mieux que vous. Personne. Voilà. Allez, bisous à tous et à demain.